Donc bienvenue si vous nous entendez, et re-bienvenue à ceux qui sont dans la salle. Nous allons repartir voilà, sur une session complète de la présentation de l'expérience. Donc Lina, qui est ici, est doctorante salariée par OnePoint au sein du CHU Nantes sur un projet du GIS Iconique, qui est un groupement d'intérêt scientifique qui travaille sur les nouvelles technologies et les sciences neurologiques. Donc ces travaux consistent à voir comment est-ce que l'activité cérébrale peut être détectée avec un décodeur et avec de l'intelligence artificielle. La thèse de Lina est sur le sujet de la charge mentale. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale? Vous en avez bien entendu parler. On a une majorité de femmes dans la... Voilà, c'est une très grande majorité de femmes. C'est un thème que vous avez dû entendre et réentendre dans les médias, la charge mentale. Mais d'un point de vue scientifique, la charge mentale, c'est tout simplement l'activité cérébrale que vous avez en permanence en réaction à une situation où on va avoir beaucoup d'informations, où vous avez l'information à traiter par vous-même. Et voilà, votre activité cérébrale monte, monte, monte. Et on peut atteindre à un moment donné un état de surcharge mentale et qui peut provoquer voilà, des problèmes. Jusqu'au burn-out, le problème qui peut arriver dans le milieu professionnel aussi, parce qu'on a trop de charges mentales engendrées par notre situation. Des charges intellectuelles, des charges de travail. Et là, le sujet, c'est d'analyser la charge mentale d'une personne, d'accord, et de voir si dans un environnement de réalité virtuelle, cette charge évolue bien, proportionnellement à ce qu'on s'attendait, par rapport à un protocole de charge mentale qui est bien connu de la recherche. Dans ce cadre-là, on a développé un jeu virtuel qui va consister à répondre aux commandes de pizza. Donc, Jeanne est dans un camion de pizza virtuel. On va lui envoyer des commandes de pizza et elle aura à réaliser ses commandes en mettant les ingrédients sur la pizza. Elle aura en même temps une boisson qui va être demandée par oral. On ne va pas faire trop de bruit parce qu'elle rend bien. Le casque est à fond, mais c'est quand même. La commande de boisson va arriver de manière aléatoire. Elle va devoir mettre la boisson avec la pizza, envoyer la pizza au four. Quand la pizza est prête, appuyer sur la sonnette pour dire c'est prêt. Et à la commande suivante, elle va avoir une nouvelle pizza avec un certain nombre d'ingrédients. Elle va avoir une nouvelle boisson qui va arriver. Et elle devra dire en plus, pour la surcharger mentalement, si cette boisson est la même que la précédente ou non. Elle aura un bouton oui, non. Est-ce que cette boisson est la même que la précédente? Donc vous voyez, elle va avoir beaucoup d'activités. Tout ça, dans sa tête, il va se passer pas mal de choses quand même. Ça va être analysé par l'ordinateur qui est ici. Vous voyez les paffes là qui tournent. Cet ordinateur a été préparé auparavant, il y a une petite heure, pour reconnaître un peu l'activité cérébrale de Jeanne, pour savoir dans quel état est-ce qu'elle est quand elle est sur un exercice très simple. Et dans quel état est-ce qu'elle est en activité cérébrale quand on lui met un exercice très difficile? Et vous allez par conséquent avoir l'ordinateur qui va être capable de restituer à cet ordinateur-là, qui est le serveur, quel est l'état intellectuel de Jeanne? Est-ce qu'elle est en charge mentale, faible ou élevée? Oui, une question. Ah oui, qu'est-ce que mesurent les électrodes? Les électrodes? Ouais, tu peux mesurer une différence de potentiel électrique. En fait, à la surface de notre cerveau, on a une activité électrique quand même qui arrive à être captée par cet engin qui est un casque EEG, électroencéphalogramme. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu, mais en fait, il y a des électrodes qui sont disposées à la surface parce que le cerveau, à savoir, est très très important. Je pense que vous pouvez répondre à la question. Le cerveau est pas. C'est la plus importante à savoir avec un casque EEG, c'est que le cerveau est spatialisé. Donc, du coup, si je, par exemple, je bouge ma main droite, comme vous savez qu'il y a un pliage sur le côté inversé, donc du coup, quand je bouge ma main droite au niveau vraiment très, de manière très localisée, mon hémisphère gauche, il y a une activité électrique qui s'active. Et donc, du coup, votre question, c'était... Du coup, vous mesurez les différences de potentiel et vous faites de l'imagerie du cerveau ou simplement vous mesurez la différence de potentiel? C'est tout. Vous n'allez pas en profondeur? Non.
Il n'y a pas d'intrusion dans le cerveau. Non, mais je veux dire, on peut faire de l'imagerie avec des mesures de différence de potentiel en surface. Moi, je fais de la géophysique. Un petit peu. Et donc là, du coup, c'est simplement les mesures qui sont prises qui vous permettent de localiser... L'intensité et la fréquence. Ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer le décodeur cérébral. On va demander à la personne de faire un exercice dans lequel on est capable de moduler la difficulté de l'exercice et du coup d'induire une charge mentale maîtrisée. Pour chaque niveau qu'on va chercher à décoder, on va essayer d'identifier une signature qui va être représentée dans un espace multidimensionnel qui va être plus grand que le nombre de capteurs qu'on a là. Et du coup, bah, on va avoir une information spatiale, fréquentielle et temporelle qu'on va extraire de tous les signes. C'est ça que vous utilisez, vous utilisez avec l'intelligence artificielle, en fait. Oui. Et du coup, il faut avoir beaucoup de données pour faire de l'intelligence artificielle. Il faut avoir pas mal de données. Elles viennent d'où, toutes ces données ? C'est un petit peu long, la préparation. C'est que des données de cette personne. C'est aujourd'hui, oui. D'accord, c'est pas de ce matin. Les données de tous les gens que vous avez testés. Non, parce qu'on n'a pas testé. On a testé une petite dizaine de personnes. Et ces données, des 10 personnes, elles sont dedans ou pas dans le... Non, pas, là, le modèle de prédiction ne se base que sur... Que sur les données. Plus tard, si par exemple, sur le sommeil, où là, on a plusieurs centaines d'individus, on est capable d'avoir un modèle générique de prédiction des différents états du sommeil. Pour aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle a été entraînée tout à l'heure, il y a une heure, un certain nombre de tâches bien définies pour essayer de modéliser l'activité cérébrale en sous-charge, en charge normale et en charge intensive d'activité cérébrale. D'accord ? Donc maintenant, on va passer en mode libre et on va lui envoyer des commandes et on va voir si ces commandes la chargent fortement. Pas fortement. Ça ne fait pas si mal que ça. Il envoie un peu de gel. Ça fait pas si mal que ça. Non, ça fait pas mal du tout. C'est tout. Ok. Donc là, on va demander votre contribution. Vous allez préparer une liste de pizza pour Dan. Ça vient en contact directement en fait de pizza. Quand je les prends et je prends. Allez, vous êtes la team 12, vous devez envoyer une liste de 20 pizzas à Jeanne avec des ingrédients. Votre objectif est de produire une liste de pizzas suffisamment complexe pour essayer de la mettre dans le rouge. Quand elle sera dans le rouge, elle va rater les pizzas, elle va rater des commandes et vous aurez plus de points. Donc on est dans un mode de jeu pas très très bienveillant. Mais c'est l'objectif. Alors, c'est parti. On va faire comme ça. Dites-moi des ingrédients. Vous me dites soit le nombre d'ingrédients, soit 1, 2, 4, 6. Fromage. Champignons. Poivrons. Et chorizo. Fromage, champignons, olives. Jambon, olives. Allez, tu es prêt, Jeanne ? Ouais. On envoie la sauce. Donc, c'est parti. Vous pouvez voir sur l'écran à côté, là. Elle est en train de préparer des pizzas. Et ça va, c'est marrant. Là, vous voyez que pour l'instant, elle est chargée. Ah, ça y est, elle était rentrée, je lui ai parlé, elle est redevenue rouge. Elle vient de réussir une pizza à quatre ingrédients. Chacun, l'inconvénient de cet écran, c'est qu'il ne voit pas peu, on ne voit pas bien ses mains. Non. La partie. Alors là, Jeanne, elle a fait un best score. Elle a commencé à être forte. Vous n'avez marqué que 250 parce qu'elle n'a raté qu'une seule pizza.
Et voilà, elle a quasiment fait un sans faute. Elle a quasiment fait un sans faute, c'est une machine. C'est une machine. Et elle a fait, on va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pizzas. 10 pizzas. C'est une machine, ça commence à... Je crois que le record, c'est... Le record, c'est bon. Les développeurs qui. Moi, je suis assez fou et vite. Dans 3 heures, ça sera une vraie, vraie, vraie machine. Dans 3 heures de jeu, là, déjà, tu seras une bête. Merci. Ça, tu dois commencer à marcher. Alors, est-ce que vous avez déjà en tête des domaines où ça peut être intéressant? Pourquoi est-ce qu'on analyse la charge mentale? Du coup, vous allez nous en parler de l'analyse de l'expérience. Oui, voilà. Là, donc l'analyse, c'était pour montrer qu'on est capable de faire une application qui prend en considération la charge mentale. D'accord. Et on est capable de faire une application, pour des points de vue scientifiques et de recherche, de graduer la difficulté pour bien constater un niveau de charge mentale qui augmente. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche? Pourquoi est-ce qu'on a fait cette application? Où est-ce qu'on voit la graduation de la charge mentale dans le monde? Alors là, on l'a vu, mais elle a été chargée tout le temps. Normalement, vous avez cette petite alternance entre niveau chargé et pas chargé. D'accord. À ce stade de la recherche, suivant les personnes, on arrive à distinguer entre deux... Alors, on a eu un monstre cérébral parmi les testeurs. Une personne qui arrive à avoir 6 niveaux, on arrive bien à distinguer dans son activité cérébrale de manière très cartésienne et claire, 6 niveaux de charge mentale, parce qu'on lui a fait faire des tests intellectuels avec une graduation vraiment académique qui permet de vraiment de dire là, normalement, il est au taquet, à qui on a réussi à avoir 6 niveaux de charge mentale. Là, pour le jeu, comme on voulait être sûr d'avoir une distinction assez simple, on ne peut pas se fier à dire il y aura forcément 6 niveaux, on n'a fait que 2 niveaux. Donc il y a un seuil. Voilà, il y a un seuil au-delà duquel on dit là, il est chargé. En fait, en réalité, je disais Aurélien, Jeanne, on avait 3 niveaux avec elle. Et là, le niveau qui apparaît, qui est en rouge, c'est censé être le niveau élevé, elle est en niveau qui est juste au-dessus. Elle n'a pas atteint le 3e niveau qu'on sait qu'elle est capable d'atteindre. D'accord. Là, donc elle était en mode machine. Elle a commencé, elle est à un niveau chargé. Mais pas tant que ça. Elle n'est pas en mode encore décontracté pour le faire, mais elle est à la limite. D'accord. Donc on est capable de détecter ces niveaux. Pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche? Pourquoi est-ce qu'on fait une application qui détecte la charge mentale et qui l'affiche? Est-ce que vous voyez des domaines d'application de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que c'est le CHU qui propose ça? Question? C'est lié avec des études avec des sociologues, je sais pas. Alors, ce n'est pas un problème de sociologie, puisque ça pourrait l'être, parce qu'on ne va pas mettre des casques à tous les gens pour savoir si dans la population, en moyenne, les gens sont chargés ou pas mentalement. Si le CHU fait ça, un des premiers objectifs, c'est l'autonomie du patient et le suivi du patient. On sait très bien qu'une personne qui est en rééducation suite à un accident cérébral ou à d'autres pathologies du cerveau, si on lui donne des exercices pour rééduquer son cerveau, mais que ces exercices le découragent. Et c'est trop compliqué pour lui, c'est trop dur. Et si ce n'est pas assez dur pour lui, eh ben, il ne va pas travailler de manière optimale. D'accord? Il va dire, c'est trop dur, j'abandonne. Il va se décourager. D'accord? Ou si ce n'est pas assez dur, bah, du coup, ça ne sert à rien, il va rester 4 heures à faire son exercice, et puis bah, il ne va pas progresser. D'accord? Donc avec ce genre d'équipement, on serait capable de détecter le niveau de charge mentale, on pourra atteindre une zone d'activité cérébrale qui soit optimale et qui fasse que cette personne-là, on lui donne des exercices pour voilà, quelqu'un qui a eu un AVC, il faut qu'il retravaille sa logique, ses mathématiques, ses quelques parties du cerveau. On va lui donner un exercice qui va être adapté à sa charge mentale. Si on détecte que là, c'est trop facile pour lui, on va augmenter la difficulté automatiquement. Et si c'est trop dur pour lui, au contraire, on va redescendre le niveau de difficulté pour que pas perdre. Il a besoin d'avoir son état avant l'accident. On le fait en live, comme on l'appelle ici, hein, et on adapte l'exercice.
En fait, chaque chose, il y a toujours une baseline, en fait. Même si c'est avant l'accident, on n'a pas besoin d'un. Vous l'avez pas avant l'accident. Non, non, non. C'est vraiment là. Ensuite, on va comparer avec la charge mentale, c'est aléatoire, ou vous pouvez avoir des prédispositions par rapport à ce qu'on a vécu et tout ça. Oui. Tout à fait. Et après, la capacité de charge. Le vécu va avoir énormément d'impact sur la charge mentale, parce que du coup la charge mentale a différents facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter la charge mentale. Et un des facteurs, c'est l'expérience. L'expérience vécue, l'expérience vécue au sens large, en fait, de tout ce qu'on a fait, nos préférences dans nos activités quotidiennes qui vont avoir un impact. On va mesurer la charge mentale dans une situation donnée. Par exemple, ça se travaille en fait. Ça travaille énormément. En fait, la charge mentale, elle est fortement liée avec la mémoire. Et donc, du coup, en fonction de ce qu'on a fait, notre expérience vécue, on a mémorisé des choses différentes, on a tous des expériences différentes, on a tous des mémoires différentes. Et donc, du coup, si on mesure la charge mentale, par exemple, là, j'ai déjà ma pizza à vélo, dans un jeu vidéo, pour faire des pizzas, etc. Si auparavant, elle avait fait cette tâche ou... voilà, elle aura une charge mentale dite optimale. Là, elle n'a jamais fait, c'est pour ça qu'elle est souvent dans le smiley rouge. Donc, en fait, pour répondre à votre question, la charge mentale elle est extrêmement liée à notre vécu, à nos expériences, parce que du coup, on a des mémoires différentes en fait, en fonction de ce qu'on fait au quotidien. C'est lié à l'intelligence ou pas aussi? Il y a un lien entre le niveau d'intelligence et le niveau de charge mentale? L'intelligence, alors. C'est un sujet assez particulier comme la charge mentale. Mais c'est comment la mesure, il y a tellement de débats autour de l'intelligence, autour du QI, etc. Je ne pense pas qu'il y a d'études vraiment qui fassent le lien entre intelligence et charge mentale, ou alors on n'a pas osé toucher ce terrain-là, parce que si on dit qu'il y a un lien entre charge mentale et intelligence, ça peut avoir pas mal de... Alors, si tu appelles l'intelligence le quotient intellectuel, Il peut y avoir pas de lien. Quelqu'un qui peut être très intelligent, mais être assez rapidement perturbé par une activité cérébrale qui n'a pas de lien avec la logique. Il y a des choses qui sont intelligentes. Pareil pour la charge mentale, on en parle beaucoup, la charge mentale des femmes dans le milieu privé, c'est vraiment la charge mentale dans ce contexte-là. Les femmes peuvent ne pas avoir de charge mentale, enfin de surcharge mentale dans d'autres domaines. C'est juste qu'à la maison, on a une charge mentale. Donc du coup, au niveau émotionnel, au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est sûr par exemple que quand on donne une tâche dite, par exemple de mathématiques, etc., on va mesurer l'intelligence objective en maths. Les personnes qui sont pas à l'aise en mathématiques, etc., auront une surcharge mentale. Parce que du coup, c'est une activité qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne sont pas à l'aise. Donc, la charge mentale est liée à une activité. Et si on mesure une activité dite de logique, etc., c'est sûr qu'il y aura un lien surcharge mentale avec des capacités moindres dans cette activité dite de pratique, etc. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Après, ça doit dépendre aussi de la personnalité de la personne. Quelqu'un qui arrive à se poser et à analyser les choses de loin et à... Parce que par rapport à quelqu'un qui est très spontané, très nerveux, je suppose que c'est aussi la même chose. Oui, on peut appeler ça l'intelligence émotionnelle, justement, de savoir... s'apercevoir qu'on est en surcharge et de relativiser les choses et de prioriser les tâches pour ne pas être en surcharge. Ça fait appel non seulement à l'expérience, mais aussi à la personnalité de la personne. On aura des stratégies différentes en fonction d'une activité. Du coup, la stratégie peut être assimilée à une personnalité. C'est la façon de gérer sa surcharge. Exactement, c'est vraiment les stratégies de coping, d'adaptation face à une situation. Oui, moi j'avais des questions par rapport au vieillissement. Est-ce que c'est utilisé pour suivre ou aider des personnes qui sont en train de devenir séniles ou C'est possible. C'est pas la cible. C'est pas lié au vieillissement de la population. Non.
La priorité de cette étude, c'est bien que ça juste, c'est d'adapter les processus patients à la capacité de voir si elle est en surcharge ou pas pour proposer des expériences patients adaptées et adaptables à la charge qu'on leur fait. Ça pourrait être utilisé beaucoup pour les personnes âgées pour demander qu'elles soient en sous-charge. Oui, tout à fait. Un des objectifs, c'est l'autonomie du patient. Une personne donc, qui a fait un AVC à un certain âge. Et l'objectif quand même des hôpitaux en France, c'est de faire sortir le plus tôt possible la personne de l'hôpital pour qu'elle continue à faire ses exercices qui vont l'aider à rééduquer son cerveau pour qu'elle reprenne une certaine autonomie. Un dispositif comme celui-là permettrait justement de ne pas avoir un ingénieur à côté qui lui lance le jeu et qui dit « Alors, c'était difficile, c'était pas difficile, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je vous mets un exercice plus dur? Vous allez y arriver. » C'est toujours bien d'avoir un côté humain, mais on perd en autonomie. Donc, si la personne vient à domicile, revient à domicile avec un jeu où elle a juste à mettre un petit casque de cet ordre-là, ou en même temps, c'est juste un serre-tête, quand ça devient vraiment simplifié, qui va lui dire faites l'exercice, exercice de mémorisation, un petit memory ou un truc comme ça, et on va vous faire de plus en plus dur parce que je vois très bien, d'après votre activité cérébrale, que vous êtes encore loin de surcharger votre cerveau, donc on va mettre le paquet. On gagne en autonomie. Et par rapport du coup à vos deux questions, il y a vraiment un fort lien entre le vieillissement et du coup la perspective et l'enjeu majeur du médical qui est l'autonomie. Parce que du coup, comme on est de plus en plus une population vieillissante, on vit de plus en plus longtemps, et donc du coup, les patients sont de plus en plus âgés. Donc il y a vraiment un vieillissement de la population, il faut un vieillissement des patients. Et l'autonomie, du coup, comme vous en parlez, Sébastien, est d'autant plus importante à avoir. Donc au final, nous, au CHU, on se concentre sur un type de population de patients. Et du coup, en fait, ces patients-là vont aussi évoluer en fonction de la société. Et du coup, on est dans une population vraiment beaucoup plus. C'est vrai que pour les personnes âgées, si à un même âge, mes deux personnes, une personne qui fait énormément d'activité, qui garde vraiment une activité assez soutenue, et une personne âgée qui, pour le coup, reste vachement chez elle, ne fait pas grand-chose et tout ça, on arrive à voir quand même une différence dans les capacités et dans le vieillissement. La personne qui garde son activité, on a quand même l'impression qu'elle est plus jeune, entre guillemets, qu'elle a gardé toutes ses capacités. Ouais. Quoi. Elle a fait en sorte que son environnement soit toujours sollicitant pour du coup stimuler. On va libérer Jeanne. Oui. On va l'applaudir. Et là, avec le fait que ça finit 10h30. Bah justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que votre baseline, vous l'avez fait au début, quand la personne n'est pas fatiguée. Oui, donc du coup, au cours de la journée, la baseline, si elle paraît pas mise à jour, prenez les données, toutes les données, vous les gardez, en fait. Enfin, les rajouter. On va toujours faire croiser les données avec l'état de l'individu. Donc à chaque fois, on prend des questions, des questionnaires. Votre niveau de fatigue, après, c'est des données du coup subjectives. Et aussi, c'est pour ça que c'est beaucoup rouge et que les fatigués. Et en plus, ça dénonce un contexte public. Donc, c'est la base pour le mal de la mort. Le jeu est quand même relativement acceptable. Je n'ai pas dans un mode avion, montagne russe, etc. Ce qui est un peu plus nouvelle, ce n'est pas une fatigue sensitive. Et il est relativement acceptable. Ça vous a été instructif, vous l'avez dit quand même. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.